démo. C'est reparti. En plus, le démo, il va faire une petite trotte. Et dans que je dois aller, je suis au Carmine et je dois aller au Taride. C'est parti, on part à l'aventure. Ah, j'ai reçu mes 10 PO d'un mec qui s'appelle Ice K. Trop sympa ce gars, trop sympa. Ah, je vais à la Goldshire, tiens, faire le truc dont tu me... Ah oui, ça, je vais à la Goldshire, truc dont tu me parlais avec les fragments d'âme, là. Salut, Neki. On me semble ça. Mmh. 122 enchant, 143 couture. Et maintenant que j'ai les PO, je vais pouvoir me faire en couture le... Les gants... non, je les ai déjà fait avec mon phoenix. Oui, je les ai déjà fait. C'est le futal, c'est ça. Le futal, il manquait juste la perle. Je vais m'acheter ça, c'est en mine en 2-2. Ouais, 5 PO, ça va, c'est tranquille. Mais c'est vrai, comme je vais faire les quêtes sur deux persos, moi, va y avoir de la thune. Donc d'abord, Stormwind. Stormwind, Goldshire, Goldshire, Stormwind, Stormwind, Bellubutin, Bellubutin, Ratchet. Tout ça, ça me prend une heure juste pour des allers-retours, j'adore ce jeu. C'est magnifique. Mais ouais, idéalement, c'est ça. Je pense que le premier... la maison devrait être prête. En plus, là, la maison, on va l'acheter. C'est con, on va gagner quelques semaines hein, qui peuvent aider. Ah, c'est ça que je devais appeler. Merde, j'ai totalement oublié d'appeler Camille. On est quel jour? On est lundi ou on est mardi? On est lundi. On est lundi, ça va. Ok, c'est bon. Tout va bien. J'ai encore du temps. Mais ouais, je verrais bien une LAN un peu plus grosse. Parce que là, Pookie, bon, lui, maintenant, il est bait de chez bait, donc ça, c'est sûr qu'il sera là. Pookie, toi, moi. Après, faut la voir qui sera chaud. Ouais, juste de regarder les loots, tu vois, moi je kiffe, c'est l'Atlas Loot. Tu te dis que c'est vraiment un puits à imagination. Oh, Zul'Gurub, c'est tellement stylé comme truc. Qu'est-ce qu'il est cool le raid de Zul'Gurub en termes d'ambiance. Et donc, tiens, question, on est d'accord que dans l'Alliance, ça veut dire qu'on peut avoir. Alors, le Raptor, il y a 1% de chance de tomber. Mais donc, on peut avoir un Raptor dans l'Alliance, résultat. Avec Zul'Gurub. Putain, l'arc de Mandokir. Là, on commence à avoir des loots contre la gueule et tout, ouais. Par exemple, sur Akkar, il y a Zinrock. Qui était une épée, mais genre légendaire à l'époque, en termes de skin et tout. Truc de dingue. Et ça, tu vois, pareil, il y a les. Ça, pour les War Fury ou les Rogue Spé Combat, l'ensemble des lames de guerre à Akkari. Hein. Tellement un truc cool. Ah, la cherche 100, putain, 33 spell power. Oh, tellement de boloot. Donc, alors, attendez, réfléchissons un peu. Donc, ça, phase 2, on pourrait aller jusqu'à la phase 1. On pourrait aller jusqu'à la partie 1 d'Uldaman. Ça sera le max en termes de loot. Par contre, ça sera beau, Uldaman. Hein. Il y aura des loups d'enculés. Hein. Est-ce qu'il y a une dague pour Azelos? Il y a une épée. Oh, tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que ça t'intéresse? 29.3 DPS, 8 HG 50 du. Mètre de 20. Épée une main, donc. C'est pourquoi ça, c'est quoi? Phase 2, Bailog. 38 level. Ah. Je pense que la celle du... Combien de dégâts t'as dit? Alors, 29.3. Ouais, mais la plage de dommage 85, 44... Non, putain, 45, 84. Ouais, celle du goulet est mieux. Ok. Et après, c'est toujours le 37. C'est 55, 103. Ah oui, effectivement, elle est plus lente. Et c'est 29.3, et du coup, c'est 2,70. Ok, ouais, là, c'est pareil. C'est pareil, mais plus lent. Celle du goulet. Je pense que les goulets, elles seront quasi bis. Il y a moyen, parce que Uldaman, c'est le plus haut qu'on puisse faire. Après, ouais, après raid, ouais, il y a moyen que ça soit... Et donc ça, c'est révéré, c'est ça? C'est révéré, ouais, ça c'est totalement faisable. Effectivement, ouais. Je suis déjà à 5600 sur 12000. Attends, il y a une dague à souille, 39. Main gauche, allez, enfin, n'importe quelle main, mais 1,50, niveau 39, 29,7. Et c'est un proc d'éclair de givre. Ça en balance un éclair de givre sur la cible. Ouais, c'est pas mal. C'est stylé. L'épée, là, elle est pas mal, Excalibur. Ouais, je crois que le goulet, effectivement, ça sera dur de. Goulet, en tout cas, épée, c'est cool. Même l'arc, il est vraiment stylé parce qu'il donne des stats. C'est vrai que c'est toujours... Il donne 3J système. Et puis toi, en plus, après, le Mona, c'est surtout la maille. Pas grand-chose pour toi. La DAC, elle est un peu bâtarde parce qu'elle a 1,70 de vitesse. C'est un peu relou. Non. Hello, suis-je toujours un prolo? Alors, déjà, t'as réussi à me wisp. Non, GG Jitsu! Je n'ai plus un prolo!
GG. GGG tout héros. Un raid sur le Mona. Non, ils vont faire avec Domergan justement. En vrai, je pense que c'était peut-être le moins attendu et c'est peut-être pour ça que c'est le plus intéressant. Mona, tout a été fait, peut-être. C'est déjà qu'on puisse le farmer comme ça. Mais ouais, ça va être raid Domergan pour le coup. Il n'y aura pas de raid Mona. La question, c'est quel est le raid. C'est, déjà, c'est confirmé, hein, c'est officiel. Hein, c'est sur les vidéos YouTube. Je l'ai vu de la chaîne de World of Warcraft. Je peux vous la linker. Hein. La question, c'est quel va être le raid de la phase 3. Moi, je m'attends au temple d'Atalakar. Soit ça, soit Marodon. Parce que donc c'est niveau 50 max. Et c'est vrai que Marodon, il y a plein de phases. Ça pourrait être très stylé en raid ou le temple d'Iranicus. Hein. Il y a moyen que ça soit ça. Alors, Gak, hein, le cœur du bois. Ah, je peux la valider ici. Ah, vous réussissez. Tout je connais, oui. Alors, en utilisant le noyau, sera en mesure de jeter le sort. Ce qui va faire contre les esprits les plus. Ah, je vais avoir ma petite bourse d'âme. Hein, très bien. Ok, bah c'est bon, je vais avoir ma succube. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas la succube, par contre. Ton succube. Hmm. Ton succube. C'est vrai, mon succube. Ah non, niveau 50 de Ruki, l'appel du dragon. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette épée à une main. Ça, c'était une épée à une main, mais qui a un skin d'épée à deux mains. Mais à une main, c'est ce qu'on appelle donc une épée longue. Et elle est tellement ouf. C'était à l'époque, tu t'en rêvais de la voir. C'est vraiment... je l'ai farmé pour le coup. J'ai fini par l'avoir avec mon boire, mais... Gros farm. 0.19 de loot. Je sais pas si tu te rends compte la débilité du truc. 0.19. Boucher d'accro, ça j'ai eu aussi. Souffle feu en Warfury. Putain, c'est où le... Oh là là, je trouve pas à chaque fois où c'est l'agneau assassiné. Un truc d'invoque. Il sera à 40. Ouais, oui, niveau 40. Ça, le phase 3. Ça, je vois pas ce que ça peut être d'autre que Marodon ou Atalakar. Zulfarak, ça sera trop au level. Oui, pour la phase 2, ouais. Il n'y a aucun loot qui est moins de. Ça sera un peu notre crâle actuel, quoi. Même pas, parce que même les trash, ils ne lootent pas de. Ah ouais, ah, c'est qu'on peut regarder. Ennemi commun. Que même les trash, c'est 41 minutes. Ah ouais, effectivement. Oui, donc. En fait, c'est même pas. Toi, autant. Là, on peut y aller pour s'amuser. On a un peu de chance d'avoir des petits trucs. C'est ça. Là. Oui, d'ailleurs, il y a ça qui a le truc de Pou qui a chopé. Pour le challenge. Quoi. C'est vrai qu'il faut qu'on aille faire le crawl au moins pour. Ça serait bien, on voit qu'on y aille avant mardi pour. Fin de semaine, ouais, fin de semaine, on peut y aller. Enfin, bah. Quand on aura incliné le raid. J'aurais même dit avant, moi. Pour comme ça, Pouki, il a son arme pour le raid. Bah, après, faut voir avec Pouki. C'est vrai. Avant, alors comment je l'invoque cette merde? Ouais, avec Pouki. Vaste programme. Ah, appel une succube, ceci dit. Hein. Ils l'ont traduit en une succube. On va juste dire Yel et puis basta. Oh là, ce qu'elle va prendre. Oh, tu vas prendre comme si je sortais de prison après 20 ans de réclusion. Oh, tu vas prendre. Oui, c'est une chanson très classe, je sais. Ouais. Max ouais, Bobby. Ouais, ouais. Bravo. Donc, ouais, notre ouais, dernier truc, c'est ça. Ça sera Uldaman phase 1, effectivement. Les sous, il y a des loots de 1 de ouf. Même pour toi, il y a des trucs pas trop mal, je crois. Il y a au moins la dague. Il y a les épaules en cuir, incroyable. Il y a des épaules sur Glouton là, 5 forces il s'agit 15 endus. Pour Rock Tank d'ailleurs, elles sont vraiment stylées en soi. Ça sera sûrement l'Ibis pré-raid. Alors, Gakin, le lien. On se voit plus tard. Bien joué Twitch Money. Mais avec plaisir. La journée soit bonne. Et j'ai eu ma bourse d'âme. Le problème c'est que si je manque déjà de place, donc bon. Bon, on va essayer, je vais respé et je vais essayer de jouer avec la succube. Voilà, bah on va prendre les deux points de talent de la succube et on va voir ce que ça donne. Vous avez besoin de quelque chose? Besoin d'aide? Adieu. Ah, j'ai une nouvelle quête! Ah, mais il y a une suite de quêtes de démo? Mais non! Alors, si on wish accès, on nous trouve à la maison des nobles, ici, pour le petit vaisseau, c'est.
S'il y a une fleur qui pousse dans le jardin de Stalin aux environs de Darkshire. Oula! Oh, le mec, il veut faire du... Ah ouais, lui, il veut faire un poison, d'accord. Oh putain, la quête de l'enfer, je dois aller à Darkshire, je dois aller au Paloon. Ok. Ah, il y a une suite de quêtes démo, je savais pas ça, moi. Qui s'appelle... Attendez. Ah ouais, elle est bien, bien rouge, la quête démo, là. Mais c'est pas une quête démo, c'est une quête de Stormwind, en théorie. Ok. Et alors, j'ai tout été une banane, ou c'est, Joe... c'est juste qu'il fallait un peu de temps pour que ça... Ah, j'ai une quête 30 de Stormwind qui a pop là. Putain, bon, on va tester ça. Hein. Est-ce que t'es une banane ou pas alors, dis-nous tout. Salutations. Prenez soin de vous. Alors, hop. Après, quête 30, je pense en démo, ça le fait avec le marcheur du vide. Ça va juste prendre du temps, mais il est quasi increvable le bordel. C'est juste à mettre du temps, d'accord. Yep, yep, yep. Il est vraiment increvable. Le pet démo, donc bon. Ça peut le faire. Destruction, démonologie, invocation donc d'une succube. Ah, bon, vas-y, moi je fais une pause. Hein. Oh là là, c'est casu, moi je quitte alors. Ah, tout Xela aussi. A plus. Non, moi je continue, je fais pas de pause. Pas de pause. On a pas le temps de faire les pauses, on a des trucs à faire. Il a arrêté pas d'ouvrir sa gueule, c'est ça. Je crois que c'est un streamer en plus, non. Ah, c'est... Enfoiré. Pas le temps pour les pauses, Lucas, là. Des pauses, c'est pas comme ça que c'est opti, les pauses, là. La méta, Lucas, la méta. Alors... donc, on va aller stocker les merdes, j'en peux plus de pas avoir de place. Bonne soirée, Jitsu. PNJ pour la rune à Stormwind. Alors merci. Ouais, c'est Goldshire en fait. Ok, ok. Yes, 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 j'y vais. Je vais y aller. Je vais récupérer justement là en banque. Ah, faut faire la queue. Attendez, on va faire la queue. C'est à moi. Alors. Ça s'amuse comme on peut. Hein. Fragment. Tac, tac. Non, ça, je m'en fous. Je stocke. Ok, les compos, en vrai, dans le champ, j'en peux plus là. Trop de compos. Ah, mais acheter. Mais oui, laissez-moi acheter. En vrai, de vrai, je peux faire ça. Attendez, j'ai une idée. On va faire ça bien. Voilà, et ça, ici. Comme ça, on perd pas en fait. C'est donc ça le serveur RP, exactement. Exactement. Et merci pour le follow, Berserker, salut Imra. Forge, faut que j'envoie ça à mon pal. La lumière vous bénisse. Faire rapidement. Hop. Urza, tu joues quoi, toi, là? Prêtresse. Je pourrais te faire du stuff, si tu veux, Urza. Tu me diras quand tu auras, parce que j'ai plein de rouleaux en lin, donc ça me coûtera littéralement rien. Et je pourrais te faire du stuff en lin vert, tu vois, par exemple, dès que t'es niveau 10 environ, de enduit de un tel, même du blanc, enfin, je pourrais te faire des trucs qui ne me coûteront absolument rien, en fait, à faire et qui me permettront de vider un peu mes rouleaux d'étoffe, donc win-win. Pareil pour les tissus, hein, si vous êtes moins de niveau, pas trop au niveau, je pourrais en faire avec plaisir. Ok, prenez donc... Soin de vous.
Alors, on envoie ça à Aiske. Hop là. Le plan forgé, c'est tout. On envoie à Zedos la douloureante. Et à Natamaniac la bouffe. Merde, à Aiske, on renvoie le plan là. Ok. Ok. Bon. Résultat, Goldshire, violent, j'ai une rune qui se débloque là-bas. On va voir ce que c'est quoi cette histoire. Je rappelle, aujourd'hui c'est un petit live, je code d'ici une grosse heure, heure et demie, je crois environ. J'ai des trucs à faire ce soir. Demain un peu de New World. On va voir ce que ça donne. Cette saison 4, mais c'est vrai que je suis... Je suis slide de SOD, hein, évidemment, hein, sur ma chaîne secondaire, hein, ma passion. Faut que j'aille mettre ma PDF à Stranar, en vrai. Faut vraiment que j'aille mettre la PDF à Stranar. Ça me permettra de... d'enchaîner pour les tarils, là. Parce que donc là, ça, Lord de Soranruk, hein, je vais aller le valider. Qu'est-ce que l'amour, ça, donc je dois le faire à Darkshire. Voilà, c'est là. Non, ça, c'est une autre quête, ça. Attends, il m'a dit quoi? Qu'est-ce que l'amour? Ah, mais je... Non, mais what? Non, qu'est-ce que l'amour? Ah non, c'était à Shenval, ça. J'ai oublié de la faire. Oh non. Moi, je suis un teuteux. Attendez. What is love? En vrai, ouais, je peux valider la quête là. Enfin, je peux faire la rune. PDF Luckshire. Fly jusqu'à Baie du Butin. Peut être pas mal. Et ensuite, donc, bateau Ratchet. Ratchet, on ira par le PNJ. Donc, qui est. Ici, voilà, l'ordre de Soran Ruk. Il faudra que je monte un peu les PO aussi, il faudra que je fasse les quêtes avec le démo. C'est vrai que rien que le sort d'un tel, putain, c'est tellement ouf. Ouais, il faut que je vais me faire le futal. Ah, c'est ça que je voulais me faire, le futal. Ah oui, c'est ça que je voulais faire à Stormwind. Bon, après, je pourrais le faire de l'autre côté, c'est pas grave. Alors, tu m'as dit qu'il y a un PNJ. Alors, attends, le PNJ que tu m'as envoyé, Xela. Alors. Damien Ken, négociant dame. Oh là là, lui c'est un émo ça. Attends, il doit être dans l'auberge. Voyons voir ça. Damien, où es-tu Damien? Non, c'est un démo, il doit être en sous-sol. Il fait une soirée underground. Il fait une soirée goth. Binzer, don't that. C'était pas fun. Pas du tout. Ah si, non, Maximilien. Mais il est où Damien? Damien! Ah, ce gars-là, il est perdu! Alors, j'ai apporté les âmes. Alors, je cherche l'âme d'une personne désirée et celle d'une personne innocente. Les deux secrets vous autant une rune, un plaisir de faire affaire avec vous. C'est quoi la rune que j'ai eue? Nouvelle rune, les gars! Ah, six fonds d'âme! Alors, ça fait quoi de beau? Nouvelle rune de torse. Alors, augmente le montant de points drainés par vos sorts drain de vie et drain d'âme de 6% supplémentaires. Pour chacun de vos effets d'ombre sur la cible. Ah, ah ouais, pour l'aspect... Ah putain, pour l'aspect affli en fait. D'accord. Donc 18% de points drainés. Oh là là. Ah ouais, donc tu passes ta vie en... Ah, ok, t'augmentes les dégâts de siphon d'âne de 18% ou les dégâts de rein de vie. Rein de vie, ça fait combien actuellement d'ailleurs? Attends, parce que j'utilise pas du tout rein de vie moi. Ça fait transfert... Toutes les secondes, 17 points de dégâts par seconde, ouais, bof. Ok. Ok, bon, en tout cas, je suis à 8 runes sur 12. Merci, Xela. Que puis-je pour vous? J'avais... Ce qui est ouf, c'est que j'ai trouvé complètement par hasard les trucs tous... Ah, attendez, la succube. Faut que je lui apprenne les trucs. Vous avez besoin de quelque chose? Ah, attendez, la succube, griffoire. Ah, non, ça, je peux pas. Putain, je suis vraiment un prolo, j'avais même pas acheté les... Les bouquins pour mon...
Putain, je crois que je les ai achetés deux fois, attendez. Prenez soin de vous. Shit. Bon, on verra. Ouh, GG, 10 sur 12, hein. C'est pas mal, un ça. Un plaisir de vous rencontrer. Et la succube... Je crois que j'ai acheté, voilà. Bon, j'en ai acheté plein. Après, ça n'a pas coûté très cher, en vrai. Adieu. Ok, on verra quand j'aurai les trucs d'âme. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, Lakeshire. Lakeshire into Beauty Bay. Ah oui, attends, les sacs, j'avais pas vu. Il y a leur kit qui m'ont renvoyé. Alors, c'est quoi l'OP qui vole Non. Quand je vois qu'on a tort, une fois en avance. Ok. Ça a l'air cool, mais c'est le 12. Putain, j'ai tellement de jeux. Ouais, j'ai SOD. J'ai une quête à m'aider là-bas. Ah oui, c'est le truc de la jarre. Ouais, bah les couilles. Salut, Saba. Ouais, non, j'ai pas la... Je comprends. Pas le temps. J'ai même plus envie de faire d'OP là en ce moment. J'ai juste envie de jouer SOD. Et là, je refuse d'être payé pour jouer à d'autres jeux. Je veux juste jouer à OCD. C'est terrible, hein. L'addiction est totale, oui, oui, elle est là, la grosse addiction, elle est bien présente. N'est totalement, tellement addict. Vraiment, le meilleur conseil, par contre, pour ceux que je puisse vous donner, ceux qui ont débuté la Jitsu, Urza, Corben, prenez votre temps, lisez, partez du principe que vous allez redécouvrir. Laissez-vous la possibilité de découvrir, de trouver les runes. Suivez pas des guides à la con, découvrez. Je reviens, petite pause. Qui? Bah n'hésite pas, oui, je sais pas si t'es dans l'Alliance et sur notre serveur, mais je dis la guide communautaire, hein, donc vous êtes tous les bienvenus dedans. Ok. Je suis à Beauty Bay, salut Soran. Salut Snake Eater. Le temps, c'est de l'argent. Alors... Donc là, on va aller valider ça. Bon, c'est normal. Pour l'exclamation guild, ok, au sticker, Neki. J'ai vraiment envie d'en faire une aventure communautaire. Par exemple, alors, je pense que je m'amuserais même si j'ai pas de truc communautaire. Mais, alors, après, ça fait peut-être niaiser comme ça, mais je m'amuse beaucoup plus parce que je peux le partager avec vous, clairement. Ça joue vraiment beaucoup de le faire avec mes potes IRL, déjà, comme Azedos et Pookie. Et c'est vraiment cool, en fait, d'avoir des gens avec qui jouer régulièrement, quoi. Que je connais. Certains qui sont vétérans, d'autres qui les courent et tout, c'est vachement cool. Ah. Bon. Drôle d'odeur. Je crois qu'il a un peu passé le vin. Ouais, un peu beaucoup passé. Pas grave, on va vous faire des pistaches. On prend la poubelle. Et on va manger des petites pistaches en attendant le bateau. En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, il me manque quoi comme rune avec le démo? Il me manque la rune honorée, la rune tank, ça me fait 10 sur 12. La rune avec tous les compos à la con là, 11 sur 12. Je sais pas laquelle est la dernière. Attends, il y a Fnotastic qui a... What? What? Mais non! Mais non! Oh les fils de pute! Attendez. Oh la vache, ils ont fait n'importe quoi. Ça alors! The... Il se barre avec la thune. Ah, c'est des... Franchement, je sais être ceux qui ont payé le jeu. Aïe, 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 aïe.
Ah là là, ils ont vraiment aucune race laissée. Par contre, eux, c'est vraiment des fils de pute fantastiques. Ah, c'est le lien, il est officiel, hein, c'est de leur Twitter. Hein. Ouais. Incroyable. Incroyable, jusqu'au bout, putain. Lucas. Ah, c'est vraiment les pires des... Merde, le bateau. Ah. Viens, c'est incroyable, viens voir. C'est les fils de pute finis. C'est honteux, putain, mais c'est vraiment les sacs à merde. Quoi ça? Ah! C'est vrai! Sûr. Ils ont retenu combien de temps? Attends, les 4 jours? Ils l'ont sorti il y a 4 jours. Ils l'ont vendu pourtant pas mal. Hein. Après, il faudrait voir combien ils en ont réellement vendu. Et sur Steam Spy, actuellement, ça indique 5 millions. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le post-refund. Il n'y a pas marqué qui est refund après? Non. Vu les négatives, j'ai envie de croire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont refund. C'est ça. Ah oui! Par contre, c'est vraiment une arnaque, quoi. Enfin, de bout en bout. Moi, ça me. Bref. Oui. C'est bizarre, quoi. Ils le savaient forcément. Ouais. Que ça allait pas marcher. Ah non, ils y espéraient, je pense, sur un malentendu, en vendre une chier et. Ils en ont vendu une chier. Toi, moi, c'est ce qu'on appelle un cash grab. Soit c'est un cash grab. La question, c'est est-ce qu'ils sont vraiment barrés avec le pognon? Ou est-ce qu'ils sont effectivement full debt? Ils sont vraiment dans cette situation-là. Ouais. Comme Wilson, qui était full debt. Et qui avait sorti le jeu en mode dernier espoir. Et ça a marché pour le coup pour eux. Ouais, c'est ça. C'est... Je suis où là? Je crois que j'ai fait l'aller-retour, non? Ou j'arrive? Non, j'arrive, c'est bon. Attendez. Je suis... Non, c'est bon, j'arrive, ok. Jusqu'au bout, c'est des... Et le pire, c'est que je suis sûr qu'il y en aura toujours et encore pour défendre. Ça me détruit. Ça me fume tellement, ça, cette... Ah, putain, quoi. Ah, le carton il est là. Ah oui, il est bien caché. Il est rangé justement. Ah oui, il est rangé. J'allais prendre des one. Mais t'es vraiment un idiot. Suco putain. Je vous... Oh, vous... Il allait vraiment prendre des one. Mais il y a plein de gens, hein. J'avais d'autres viewers. Qui sont pas méchants, hein. Ou alors. Ils ont juste eu un jeu de survie avec des zombies, ils ont dit trop bien. Attends, il reste combien de couleurs? Alors vas-y, attends, deux secondes, je mute. Ouais. Comme ils mettent généralement trop de haricots, de machin comme ça, ils ont tendance. Ah oui. Et comme leur corps est pas habitué, ça tend à être. Ça, j'ai été. Moi, j'ai été constipé à cause des animés. Il y a ce côté peut-être habituel aussi. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais. Vas-y. Et les autres, non? Les autres, je crois pas. Bah, tu continues avec les autres. Non, ouais. Ouais. Je savais pas si c'était la fatigue ou autre. Et la première fois, bon, ok, et là j'ai remangé donc un paquet hier soir, et après ça a été la guerre. Hein. Ah, t'es pas fait un paquet entier. C'est ça. La chaise est en train de décéder. Hein. Mais... C'était. Moi c'était vraiment le premier qui a été. Après, maintenant ça va, tu vois. Là j'en ai remangé un. Maintenant c'est continu, c'est un flux. Là j'en ai mangé un ce midi, j'ai pas de problème. Ça va. Les deux premiers paquets. Oui, voilà, Niben. Je pense que j'ai gagné mon pari, effectivement, sans même avoir besoin de streamer le jeu. Hein. Il aura duré 4 jours le jeu, quoi. MDR.
un poêle chijon. Alors, Tsuko, je sais que peut-être pour vous, je suis juste un random streamer, tu vois, comme un autre, mais j'essaie quand même de vous informer. Oublie pas que moi, j'ai rien à gagner à défoncer un jeu. Si je défonce un jeu, c'est parce qu'il y a des raisons derrière. Quand tu regardes The Day Before, c'était un scam depuis le début. Dis-toi, c'est la vidéo qui m'a fait arrêter YouTube. No joke, hein. Je sais pas si t'avais suivi un peu cette histoire, Tsuko. Si tu tapes donc Ice Care The Day Before, tu vois, donc voilà. Tu vois, attention à ce jeu. Il y a un an, plus qu'un an, non 9 juillet 2022. Ah, je l'avais sorti plus tard que ce que je pensais. Pour moi, c'était en 2021. J'avais sorti celle-là qui était bien marrante aussi. Et je m'étais fait mes pourrir. Mais vraiment mes pourrir sur, dans les commentaires. Parce que notamment, voilà, ça me fume. Notamment parce que, qu'est-ce que je voulais dire, je décriais le fait que les employés n'étaient pas payés. En fait, ce sont des volontaires. Et on me disait, ouais, mais avec toi, il n'y aurait plus de trucs caritatifs. C'était pas un truc caritatif, là, le jeu était vendu, tu vois. Il y a plein de choses qui n'allaient pas dans leur communication, dans les trailers et tout le jeu, qui n'étaient pas des vrais trailers de gameplay. Oh là 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 là, c'est vraiment une honte, cette merde. Voilà. Il faut savoir que le jeu est free-to-play. Bah non, résultat. Oui, tout à fait, ça, bah je suis mal fini. Il faut savoir que le jeu est free-to-play. Le fait de travailler bénévolement sur un projet avec certificat est une bonne chose pour les petits développeurs de garage. Non. Non, non, tu peux dev un truc, tu le vends. C'est non. Si tu peux, t'as le droit de développer un truc pour toi gratuitement, je pense à Daralex. Mais quand tu bosses pour une autre boîte, tu dois être payé pour ça. Ou alors t'as un intéressement sur les ventes. Tu peux bosser gratuit. Par exemple, ça ne me dérangerait pas de bosser gratuitement pour une boîte, mais d'avoir un intéressement par contre sur l'état du produit. Si j'ai un contrôle sur l'état du produit, par exemple. Aucun sens la vidéo. Non mais niquez-vous. Putain, c'est vraiment un scam. C'est vraiment un scam, ce truc. Hein. Je suis partagé entre être désolé pour les gens qui l'ont acheté, qui ont été connement naïfs, mais genre, on va dire gentiment connement naïfs. Et je suis ravi pour tous les défenseurs du projet qui allaient vraiment en mode... qui cassaient les couilles à des gens comme moi, qui prévenaient justement pourquoi le projet n'allait pas. Et qui eux, l'ont bien dans le baba. Bref. Ah.